Présent au Qatar avec la ferme intention de revenir avec le trophée à la maison, les deux sélections algériennes et égyptiennes s'affrontent aujourd'hui pour le compte de la troisième et dernière journée de la phase de poule du groupe C de cette Coupe arabe de la FIFA 2021. Les hommes de Bouguerra ont un seul objectif, essayer de décrocher cette première place qui leur permettrait d'éviter une grosse cylindrée lors des quarts de finale. Présent hier en conférence de presse, le coach national Majid Bouguerra insiste sur l'importance de cette rencontre. C'est un match qui va être très intense, de haut niveau, un match très important pour les supporters, pour les joueurs, pour être premier du groupe. Donc tout est là pour justement se continuer à progresser, à se surpasser. Voilà, on connaît l'équipe, on sait que c'est une équipe qui n'a pas pris de but comme nous, qui a marqué le nombre de buts comme nous, une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble. Une équipe avec de l'expérience, avec un coach expérimenté. Donc on s'attend à un gros match. Beau derby en prévision. 20h heure algérienne, coup d'envoi de cette rencontre qui se jouera au stade El Janoub d'Al Wakrah. De Doha au Qatar, Sid Ahmed Fethi pour Al Jishan 3.